Bienvenue dans ce comparatif analytique des projets énergétiques entre l'Algérie et le Maroc, deux acteurs majeurs dans la région du Maghreb. Plongeons dans les dynamiques concurrentielles qui façonnent le paysage énergétique de cette région stratégique. Dans cette course pour l'approvisionnement énergétique en Europe, l'Algérie se distingue par sa progression significative dans le projet de gazoduc transsaharien. Pendant ce temps, le Maroc fait face à des défis qui entravent son ambition de relier directement l'Europe via un gazoduc transatlantique. L'engagement de l'Algérie aux côtés du Nigeria et du Niger dans la construction de ce corridor énergétique souligne son avancée stratégique. Le gazoduc de 4628 km promet de reconfigurer les flux énergétiques en transportant 30 milliards de mètres cubes de gaz nigérien vers l'Europe via l'Algérie. En revanche, les obstacles financiers et logistiques entravent le projet marocain, remettant en question sa viabilité. Alors que l'Algérie renforce sa position en tant que partenaire énergétique clé pour l'Europe, le Maroc peine à concrétiser son rêve de liaison directe avec le marché européen. Cette compétition énergétique entre l'Algérie et le Maroc ne se limite pas à des enjeux économiques, mais pourrait également influencer les orientations politiques futures dans la région du Maghreb. L'avantage actuel de l'Algérie soulève des questions sur les choix stratégiques du Maroc et les dynamiques régionales à venir. L'issue de cette rivalité énergétique entre l'Algérie et le Maroc pourrait redéfinir les alliances régionales et inciter à une réévaluation des stratégies énergétiques. Restez informés, car l'avenir économique et politique du Maghreb est étroitement lié à l'issue de cette compétition énergétique. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.